Et bonjour à tous, c'est Michio, on se retrouve dans ce nouvel épisode sur Kingdom Hearts 3. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'avoue, alors j'ai pas eu le temps la semaine dernière, et ces 2-3 derniers jours j'avais vraiment pas envie de m'y mettre, tout simplement. Mais là je suis motivée, et vu que ça fait un moment, je pense que l'épisode sera un petit peu plus long que d'habitude, je dis pas non plus qu'il durera 2 heures, pardon, mais quand même plus d'une heure, ça c'est sûr. En plus, c'est un vaste monde qu'on va faire là, donc il y a plein de choses à faire. On le fera sûrement en 2 épisodes, mais... ou en 1,5. Bon, bref, on le fera en 2 épisodes en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait longtemps, ça se voit, non? Bon, on va y aller tout de suite, parce que là, je ne sais plus quoi dire déjà, c'est fou, ça fait 2 minutes. Et ce temps de chargement qui est toujours aussi long, c'est toujours un plaisir. C'est parti. J'avais totalement oublié. Le Kraken a surgi des abysses, guettant mes jolis yo-ho. Entraînant Jack Sparrow dans l'antre maudit, guettant mes jolis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie. Une déesse voulait secourir Jack, guettant mes jolis yo-ho. Elle ramena donc un malfrat d'entre les morts, guettons mes jolis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie. Le Hollandais volant est parti en chasse, guettons mes jolis yo-ho. Pour punir Sparrow de ce terrible affront, guettons mes jolis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie. Un secret sommeil tout au fond de ce coffre, guettons mes jolis yo-ho. Où bat toujours le cœur du vil Davy Jones, guettons mes jolis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie. Ah, j'avais totalement zappé. Yo-ho, yo-ho, vive la piraterie. Pourquoi tu t'écoutes? Car on est de nouveau des pirates, Pardi. Pardi? C'est vrai que t'as toujours adoré ce monde, Sora. Qui ne pourrait pas l'apprécier? Même si... c'est quand même dommage qu'on ait que ce simple Rafio. C'est marrant, à chaque fois que je commençais évidemment, de nouvelles cinématiques avec Donald, mon Donald très aigu, et j'ai l'impression d'avoir d'obtenir des graves au fur et à mesure que je le fais. Le bout du monde. Parce que souvent, quand je m'enregistrais pour Donald, je faisais quasiment tout le monde d'un coup, en quelques heures, moins que ça, mais du coup, à force de faire sa voix. Ma voix s'aggravait, et donc au début de chaque monde, elle est très aiguë. Et au fur et à mesure que le monde il avance, j'arrive à atteindre de plus de graves. Et donc ça ressemble un petit peu plus au vrai Donald, même s'il n'osera jamais pareil. Voilà. En fait, comme si j'avais besoin de me chauffer la voix, en fait. Mais c'est tellement désagréable à faire pour moi que j'avais pas envie de passer une demi-heure à faire du Donald et ensuite de faire les enregistrements parce que je l'ai déjà dit je pense quelque part, mais moi Donald ça me donne pas mal à la gorge, ça me donne envie de vomir et c'est pas du tout agréable, donc voilà. Et sinon pour la chanson j'avais oublié, j'avoue j'avais totalement zappé, c'est que les garçons du projet qui chantent, tous ceux qui ont voulu ou tous ceux qui ont pu parce que tout le monde ne sait pas chanter. Mais je pourrais même pas vous dire combien ils sont peut-être une douzaine, je pense. Entre 10 et 15. Peut-être plus. Voilà. C'était très cool à faire. À mixer, je veux dire. Parce que du coup, il y en avait qui chantaient haut, d'autres qui chantaient très bas. Ça faisait un joli rendu. Je sais plus s'il y en a qui avaient fait les deux voix d'ailleurs, je m'en rappelle plus. Où est-ce qu'on est encore tombé cette fois? Ah, Sora. J'ai déjà chaud. Il y a un moment où je vais me lever et me changer très vite. Entre l'écran, les ring lights,
Et mon pull ? Tu parles de pirate. Ah. On risque pas beaucoup de naviguer sans bateau. Je savais que j'aurais pas dû mettre un pull. Un bateau ? Ouais. C'est vrai. On est dans le désert, là. Quoi ? Passe alors ! C'est un bateau ! C'est un bâton. C'est un bateau. Bonjour Sora. Oh. Jack Sparrow. Le rôle numéro 47 de Jeffon. Capitaine Jack Sparrow. Oui, c'est lui. Hey, Jack. Où est-ce qu'on est? Oh. Plus tard. On a un bateau en fuite. Oh. Aidez-moi à rattraper le Pearl avant qu'il prenne le large. Wesh. Récoutez. Il est revenu d'un coup. À vos ordres, capitaine. Il a perdu son Jack. Ok, j'y vais. Reviens ici. Je suis sûr qu'il va revenir. Est-ce que je suis obligé de me les faire? Je suis pas sûr. Je crois que j'ai dû courir. Cessez le feu. Aïe. En voilà d'autres. Du vent. Ah, on l'a pas bien entendu, c'est dommage. Aïe. Ah, mais dis donc, ils vont me tuer là. Mais soignez-moi. Super mal. Comment je fais? Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Où est-ce que je suis? Qui font ça? Il vous a autorisé à utiliser mon avis. Oh là 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 là. Comment je détruis? Ah, attends. Ça va le faire. C'est drôle. Hop. Vous avez rien fait là, sérieux. Rien que ça. Je vais me soigner encore. Ouais, c'est bon. Ça va. Ah, j'ai pas changé de Keyblade. De toute façon, là, je peux pas. Contre Ruad, très bien. Ah, ma douce voix.
Jack. Jack! Monsieur Gibbs! À vos ordres, capitaine. J'en étais sûr. Et j'aimerais des excuses après ce que j'ai subi. Pardon? Il y a eu un perpétuel et flagrant manque de discipline à bord de mon vaisseau. Pourquoi? Mais vous... Vous êtes dans l'antre de Davy Jones, capitaine. L'antre de Davy Jones? Ça, je le sais. Je sais très bien où je suis. Ne crois pas que je l'ignore. Je suis dans l'antre de Davy Jones. C'est certain. Oh... Jack Sparrow. Oh. Barbossa. Ah, Hector. Ça faisait longtemps. Hein? Oui, l'île de la Muerta, tu te rappelles? Pilot. C'est là que tu m'as tué. Une voix tellement incroyable. Ah, oh, t'es sûr? Sora, ravi de te revoir. C'est un plaisir de vous revoir tous. Oh, Will, Elisabeth, vous n'auriez pas changé quelque chose par hasard? Oui, vous avez l'air plus confiante. Eh bien, j'ai vécu quelques aventures, disons. Et vous avez l'air dans une d'ailleurs, meilleure 3D. Je n'aurais jamais cru vous trouver ici. En parlant de ça, où est-ce qu'on est censé être exactement? Et c'est quoi cette histoire d'antre? L'antre de Davy Jones. Jack n'a pas su honorer sa vieille dette envers lui. Alors Jones a envoyé le Kraken le dévorer. C'est comme ça qu'il a fini ici. Alors, l'antre de Davy Jones, c'est... Pardon. Me dites pas que... On serait passé dans... Dans l'au-delà. Et nous sommes venus ici pour sauver Jack de son sort. Tiens, Dalma. Tu es aussi du voyage. Tu ajoutes une agréable touche de macabre à tous ces déliriums. Il nous prend pour une hallucination. Sans parler de ces trois imposteurs. Jack, nous sommes vraiment là. Nous sommes venus vous sauver. Hein? Voyez-vous ça? Très aimable à vous. Mais il me semble que comme j'ai un navire, et pas vous, c'est vous qui avez besoin que je vous sauve. Et je sais pas si je suis vraiment disposé. Jack, Cutler Beckett a le cœur de Davy Jones. Il contrôle le Hollandais volant. Et il s'empare des océans. Et il faut l'en empêcher. Le tribunal de la confrérie est convoqué. Oh là là. Alors je vous abandonne une minute et voilà ce qui se passe. Vous êtes devenu fou. Je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'ai bien compris, je crois qu'un certain gars nommé Beckett essaye de conquérir les océans. Oh. La mer appartient à tout le monde. Ouais, c'est ce conquérant. Écoutez, Jack. Le monde a besoin de vous, prêt à combattre. Et il te faut un équipage. Pourquoi je voudrais naviguer avec vous? Vous êtes quatre à avoir essayé de me tuer. Jack, on est de ton côté. Bien, va pour vous trois. Je n'aurais jamais rattrapé le Pearl sans vous. Sora, Donald, Dingo, je vous engage. Super! Bien, quant à vous autres... Tiens, Delma, je t'engage. Gibbs, tu viens. En avant, enlève l'ancre, paré à faire voile. Jack, et où vas-tu, Jack? Ce petit passage, c'est qu'une seule personne qui a fait toutes les voix. C'est Kev Sora. À présent, Monsieur Sora, je te confie la barre, à condition que tu réussisses une épreuve. Hein? Tu vois cette île là-bas avec deux pics? Parviens à la rejoindre. Et à toi la haute mer. C'est pas vraiment des pics, mais bon, ok. À vos ordres! C'est parti, on va grandir mon petit bateau. Je sais même plus comment on fait. Accélérer, ralentir, diriger, déplacer, tirer, et... ok. Jack a dit de rejoindre les îles en face de nous. Bon, ça se fait. Ok.
Il y a rien là, il se passe rien. Très bien. Ah, si, quand même. Il y a des sangs encore sur ces bateaux. Attends, ouais, c'est plus simple comme ça. Merde. Il part ici. C'est bon. Donc, on sait où est-ce qu'on se dirige, pas vrai? Moi, j'avoue que je ne sais plus vraiment. Je crois que Jack est en train d'improviser. Liez votre destin à celui de Jack. Et vous subirez, vous aussi, la colère de Davy Jones. Celui dont Will a parlé ? Pour qui il se prend exactement ? Et qu'est-ce que Jack lui a fait ? Ainsi, vous ignorez donc qui est Davy Jones, et vous prétendez être des hommes de la mer. Comment dire ? En fait, on vient d'une autre mer, voyez ? Ah, vraiment. Les destins de Jack et de Davy Jones se sont liés. Jones a fait surgir le précieux Black Pearl de Jack des profondeurs et fait de lui son capitaine pour 12 ans. En échange, Jack avait promis à Jones de lui donner son âme. Mais 13 ans passèrent. Et Jack n'en fit rien. Alors, Jones envoya le Kraken dévorer Jack, les entraînant, le Pearl et lui, dans les profondeurs. Mais, si Jones s'aperçoit que Jack a conjuré le sort, il le punira encore plus durement. Sans oublier ses amis, bien sûr. Est-ce que vous parlez de nous ? Le Kraken va venir nous dévorer, vous croyez ? Ah, qu'il vienne, le Kraken ! J'ai pas peur de lui ! D'aucune manière. Voilà qui est rare. La plupart des hommes font sa terre en entendant le nom du Kraken. Pas vous. Mais Jack, lui, a peur. Mais Jack a peur. C'était presque. Il veut se libérer de sa dette envers Davy Jones. C'est pour ça qu'il lui faut la boîte. Une boîte ? C'est un coffre où Davy Jones a enfermé la partie de lui qui souffrait. Il lui était impossible de vivre tant il souffrait. Mais il ne souffrait pas assez pour mourir. Et quelle partie de lui ? Son cœur. Ouais, j'étais tellement malade ce jour-là. Oh, mais comment ? Mais ça m'a bien servi. Cette créature est dénuée de cœur, et pourtant, par je ne sais quelle manière, elle est capable d'exister. Même ma meilleure réplique n'est pas parvenue à un tel résultat. Le secret doit se trouver dans cette boîte. Je dois absolument savoir quel mystère elle peut renfermer. Je te rappelle qu'on nous a ordonné de trouver le coffre et de nous en emparer. Rien d'autre. Tu devrais apprendre à réfréner ta curiosité maladive. Tu es toujours aussi obtus. Et pourquoi l'organisation 13 est-elle venue me chercher dès que j'ai été reconstitué, si ce n'est pour exploiter mon génie et investir dans mes recherches ? Chaque progrès que je peux faire est une avancée majeure pour nous tous. Oh, vraiment ? Et vers quoi avançons-nous exactement ? Luxor, aurais-je perçu un soupçon de perfidie dans tes propos ? Quoi ? Ne sois pas ridicule. Mais sache une chose,
Je sais l'organisation et rien de plus. Je ne cherche pas à plaire à Xemnas comme toi. Il a toujours su te mener par le bout du nez. Et apparemment, ça ne changera pas. Tout ce que je souhaite, c'est poursuivre mes recherches librement. C'est un elfe. Anselm le Sage a refusé d'encourager mes talents à l'époque. Alors je me suis tourné vers Xemnas. Ou plutôt Xehanort. C'est aussi simple que ça. Je vois. Et tu te fiches de savoir ce qu'il va faire de tes recherches, alors? Eh oui, complètement. La seule chose qui m'importe, comme tu le sais, c'est de pouvoir créer le réceptacle humain parfait. Oui, c'est bien tout ça. Mais je connais ce monde mieux que toi. Alors ne te mets pas sur mon chemin. Oh, évidemment. Et puis, avec la venue de ces trois parasites, je n'irai pas bien loin de toute façon. Ne t'inquiète pas, je sais déjà ce que je vais faire d'eux. Ensuite, tu pourras reprendre tranquillement tes recherches. Ah, voilà qui est fort bien. Si tu le permets, j'observerai dans l'ombre dans ce cas. Merci, Jack. T'aurais pu nous prévenir. Oui, avoir la tête à l'envers, c'est pire que des montagnes russes. Au moins, nous voilà revenus dans le monde des vivants. À la bonne heure. N'ayez crainte, tout se déroule comme prévu. Mieux vaut rester sur nos gardes, à mon avis. Hein? Un navire! Oh? Je n'avais jamais vu de navire pareil. Ok, c'est parti. Oh, des sans-cœurs! Attention! Barbossa, te serais-tu encore allié à ces diables? N'offense pas mon honneur. Pourquoi conspirais-je avec eux? Eh bien, parce que tu l'as déjà fait. Je t'en discuterai plus tard. Oh. Hein? Retrouve-moi dans ma loge juste après. Ok. Oh. Préparez-vous! Si seulement on pouvait se rapprocher. Comment on marche dans les airs? C'est impossible. Mais c'est ça. Dora! Donald, Dingo, protégez le navire. Je m'occupe des sans-cœurs. Alors, X carré rond. Ouais, comme d'hab. Enfin. J'arrive pas à le viser. J'ai que ça à faire. Torpille. Mince. Mince.
C'est chiant de viser. Je suis censé grimper sur lui, je crois que oui. Hein. Mais en vrai, ça marche comme ça, donc je viens de dire. Pourquoi je m'embêterais? Ok. Alors. Ça va plus vite comme ça. Non. Je fais déjà. Ah, 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 je vais tomber. Je sais plus comment faire. Non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais wesh. Je sais plus sur quel bouton faut que j'appuie. Ah, c'est bon. Trouvé. Ok. On a été où? Il est où? Il est où? Est-ce que je peux me soigner? Je peux pas me soigner de là où je suis. Ils sont tellement nuls. Tant que je reste derrière lui, il peut même pas toucher. Le bateau, ça va pour l'instant. Oui. Oh. Hop dans ta gueule. Aïe. Il va vite. Il est où? Il est où? Je vais vomir. Je sais pas où je suis. Où est-ce que je suis? Ok, c'est bon. Et l'autre, il est où? Ah, il est là. C'est bon. J'attendais. Coucou! Allez, je vais réussir à le faire là. C'est sourd. En une fois. Non, 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 non. Ça fait mal. Adieu! Ah, il a rien compris ce qui lui est arrivé. Mais...
Joshua. Sora. Sora. Donald. Dingo. Où sont les autres? On est tout de suite venu te chercher quand t'es tombé. J'imagine qu'ils ont dû continuer. Ils étaient étourés. Oh. Et moi qui étais si content de les revoir, ces bêtes. Et naviguer avec le capitaine Jack Sparrow, ça te plairait? Jack! Un petit crabe. J'aimerais vous proposer un marché. Comment il le juge ? Un marché pour lequel nous ne demanderons que des informations. Sur le tribunal de la confrérie. En échange d'une juste compensation. Régler ma dette envers Jones. Garantir ma liberté. Bien sûr. C'est de bonne guerre. Si j'étais en veine de divulgation, que pourrais-je bien divulguer ? La vérité. Où se retrouvent-ils ? Et quels sont leurs plans ? On y va ? Oui, mais où ça ? Tu parles d'un pirate. On n'ira nulle part sans navire. Quoi ? Alors, allons en chercher un. Oh ! Ouais ! Sora et Jack sont faits de la même étoffe, tu trouves pas ? Ils parlent de la même manière. Utilise cette clé pour me libérer, Sora. Et je te fais la promesse sincère que tous les pouvoirs des mers dont tu as toujours rêvé seront tiens. La libérer, mais comment ? Sora ! Qu'est-ce que t'as ? Hein ? Oh, rien du tout. Ça va bien. Alors, déjà... Ok, déjà... On va soigner. Qu'est-ce que c'est ? Du menu. Qu'est-ce que je peux avoir par ici ? Ah, ça, on s'en fout. Oh, j'aime bien. C'est joli. Ok, et ça ? On s'en fout. Faut qu'on poste ça. Je me demande à quoi ça sert. De quoi non ? N'oublie pas de poster ça. Bon, j'espère qu'on nage suffisamment bien. T'inquiète. Mais pourquoi tu cours ? Bon, j'espère... Ok, et toi ? Je crois qu'on va devoir nager. Oui, tu crois bien. Et toi ? Désolé, mais je ne vais pas sous l'eau, les amis. Disons qu'il me manque des ouïes. D'accord. Peut-être qu'un navire est caché. Je sais plus ce que c'est des ouïes. Je vais chercher, mais je ne sais plus. Pardon, je ne t'ai pas écouté. Désolé, mais... Peut-être qu'un navire est caché un peu plus loin dans ces terres. Oui. Super ! Oui, merci. Ah oui, on va changer de Keyblade. Et on va équiper les deux autres, du coup. Très bien. Ok, et toi ? Non plus. Ok, et... Pardon. Oh !
Alors, on va mettre celle-là. Ça, de toute façon, je les utilise jamais, donc on s'en fout. J'ai un nouveau là-dedans, je pense. Ouais, on s'en fout pour l'instant. On va m'équiper un peu de potions plus. Peut-être de ça. Ça. Et les deux autres, on ne leur donne rien parce qu'ils font n'importe quoi avec. Alors, je ne peux rien rajouter. Ah, si, je peux glisser. Super glissade, ok. Et je peux rien faire d'autre. Toi, il n'y a rien. Ok. Et c'est tout. Alors, est-ce que je peux aller déjà par là? Non. Comment je vais en dessous déjà? Plonger. Ah, je me trompe de bouton. Ça fait peur. À un moment, ça m'effraie, ça. C'est un truc de fou. Je peux pas. Je voulais regarder s'il y avait des, genre, des ingrédients, des trucs comme ça. Comment je fais pour aller vers le bas, comme ça? Ou des coffres, même. Mais je pense que là, vu que c'est la première île, de ce côté-là, il n'y a rien. Par logique. Ok. Attends. Ouais, je pensais que ça se cassait. Ça se casse, non? Ah non. Un crabe? Ça ressemblait pas du tout à un crabe. D'accord, c'est pas un crabe, ça. Ok. Moi, je casse tout. Mais il meurt pas! Okay. Et là en bas, y a pas des coffres? C'est pas très intéressant. Mais t'es relou. Et là-dedans, est-ce que je peux aller dedans? Ah, j'arrive pas. Là, il n'y a rien. Ici non plus. Là-haut, il y a quoi? Oh là là, c'est le genre de truc qui vont quand même me donner un peu la gerbe, je pense. Hein. Clairement. Coucou! Oh, ça fait peur. Non, moi, je vais redescendre. Vas-y, on s'en fout. Là, je peux faire quelque chose? Ouais. Ok. Comment je fais pour aller là? Aïe, pardon. Et... D'accord. Ici, c'est par ici. Ah, c'était juste une autre entrée. Ok. Bon, là, du coup, je pense que c'est bon. Saint-Jacques. Ah. Du coup, bah, un crabe. Ok. Essayer de bien fouiller, mais de pas trop traîner non plus. Alors attends, je crois que là il y a des coffres, c'est cher. Ou des ingrédients, ils sont où? Là-dedans peut-être, oh là là, oh ça va être dur. Fou. J'ai? Ah, c'est des pièces? Tu me saoules. C'est bon. Je peux ramasser combien de pièces?
Est-ce que je peux en ramasser indéfiniment? Ah non. Et du coup, les ingrédients, ils sont où dans l'histoire? Ah, il y en a un là. Ok. C'est tout, je pense. Très bien. C'est dur de se diriger comme ça. C'est un peu trop calme ici. Sois prudent. Oh là 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 là. C'est un enfer. Pierre apaisante. On va essayer de pas trop abuser de ça. C'est pas grave, hein. Ok, là je suis obligée de me les faire. Attendez, on va faire foudre marine. Moi je pense que ça sert à rien ça. Ça c'est peut-être plus efficace. Ça marche pas. Je suis bête. Je pourrais avoir mes autres sorts en fait. Je suis débile. Est-ce que je suis obligée de me les faire même? Oh mais il fait mal! Je vais crever là! Je suis sûr que je suis pas obligée de me les faire. Pardon. C'est bon? Est-ce qu'il y a des, quand même des petits trucs? Non, il n'y a rien en plus. Oh, mais il y en a encore plein! Ok. C'est tout? Ouais. Attends, il y a un trou par là. Est-ce que c'est... Attends, attendez. Oh, j'aime pas quand il y a... Je suppose que la sortie, c'est là-bas. Mais là, il doit y avoir des trucs. J'espère. J'espère. Ok, ok. Alors. Aïe. Oh, je suis sûre que je me suis trompée de chemin. Ah non. Ok, c'est encore pour un jeu que je n'utiliserai jamais. C'était où? Par là, je crois. Oui, bah tu m'étonnes. Ouf, ouf, ouf. Yes, ça c'est bien. C'est très bien. D'ailleurs, je vais enregistrer. On sait jamais si le jeu il bug.
Regarde, il y a quelque chose qui brille. Il y a un coffre. Ça me semble bien trop beau pour être honnête. Vous trouvez des coffres tout le temps, mais celui-là, bizarrement, t'es intrigué. Mais Donald, aucun pirate digne de ce nom n'ignorerait un trésor. Oui. Certes. Laisse-moi y aller. On va s'en débarrasser vite fait. Ah mince, comment je fais pour sortir? Ah, oh, il me fait super mal! Ok. Il est sympa, il se laisse faire. Terminé. Oh non! Oh non, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Eh ben dis donc. Allez, encore 2-3 coups. Attends. Ça va, mais quand même j'ai dû me soigner 2-3 fois parce qu'il fait très très mal. Hein. En même temps, je fonce dans le tas. Je pense qu'il y a une meilleure approche. Par contre, j'ai trop chaud. Je reviens. Oh. Ok, ça va mieux. Alors, on va récupérer ce petit coffre. Ça va bientôt faire une heure. Je me suis même pas rendu compte. Oh, trop bien! Trop bien. Je pense qu'il n'y a rien d'autre, on va y aller direct par là. Oh là là, c'est insupportable. Ce truc est vraiment incontrôlable. Enfin non, c'est ça va. On a notre propre navire, les gars. Êtes-vous vraiment sûr de ça? Hein? Oh, Jack? Premier arrivé, premier servi. Comment il a fait pour arriver aussi vite? C'est le mien, compris? Je m'en bats. Mais Jack, t'as déjà le Black Pearl.
Oui, à côté duquel ce navire fait pâle figure. Mais je fais ma base dessus. Bien. Mon bâtiment possède un capitaine. Cependant, il lui manque toujours un équipage. Et c'est regrettable. Je suppose que je vais devoir faire avec vous. À la ordinaire, montez à bord. Êtes-vous paré, timonier ? Paré, capitaine, mais on serait pas un peu coincé ? Voyons, Sora. Je sais que tu es sorti de situations bien pires que celle-ci. Tu n'as qu'à suivre ce que ton cœur te dit. Oh. La tête de Donald est dingo. On lève l'ancre. Votre nouveau navire amélioré Léviathan dispose de plusieurs fonctions impressionnantes. Très bien. On est des vrais pirates maintenant. Ouais. Oui, la mer nous ouvre les bras. Ne passez pas à côté de ça. Je vais aller en face. Je vois rien. Ils sont trop loin. Ok, pilote. Ok. Ouais, ce bateau est génial. Ouais, il est impressionnant. Pardon, je vous ai coupé la parole. Je pense que je peux aller là. Oh, donc on va y aller. Il n'arrive pas. Pardon, je vous ai coupé encore. Ce navire. Je crois qu'il veut compenser quelque chose. Regardez, il y a quelqu'un à bord cette fois. Mais c'est... Ce n'est pas la joyeuse compagnie que j'espérais. Pour parler. Pour parler. Un menton noir. Évidemment. Te revoilà dans l'organisation. Oui. J'admets que c'est surprenant qu'il me fasse cet honneur. Comme quoi, la vie, c'est comme les cartes. Rien n'est jamais joué d'avance. Jack, inutile de perdre ton temps avec ce vaurien. Oh, voyons. Seriez-vous donc à ce point convenant pour refuser une simple discussion courtoise avec moi ? T'as dit quoi, là ? Sora, ça suffit. J'ai pas compris. C'est le code. Nul n'a le droit de lever la main sur un pirate. Qui aurait invoqué le droit de pourparler, malheureusement. Parce que c'est pas un pirate. Oui. Et comment est-ce que ça marche ? Être un bon amateur de jeu si je ne suivais pas les règles ? Car ce n'est qu'en gagnant à la loyale que la victoire se savoure pleinement, c'est bien connu. Ceci dit, rappelons que le code est plus une sorte de guide général qu'un vrai règlement. Eh bien, parle à présent. Je recherche une boîte. Ou peut-être un coffre. Tu vois de quoi je parle. Ouais. Non, pas peut-être. Non, je connais une boîte. Mais cette boîte, d'après mon expérience, vaut mieux pas s'en approcher. Crois-moi. Vraiment. Défions-nous alors. Et de quelle nature serait ce défi ? Que dirais-tu de faire la cour jusqu'à cette charmante ville portuaire qui te tient tant à cœur ? Port Royal ? C'est ça. Le premier arrivé là-bas sera déclaré vainqueur. Si tu perds,
Tu me diras alors où se trouve ce coffre. Et si je gagne? Je t'offrirai absolument tout ce que tu veux. D'accord. Jack! Nous avons donc un accord. Bien, commençons la partie. En avant! Paré à faire voile! Mais, Jack! Toute voile dehors! Hé! Jack! Et plus vite que ça! Jack, écoute-moi! Quoi? Oh, tu peux pas le laisser s'emparer de cette boîte? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il recherche au moins? Disons juste qu'il y ait de fortes chances qu'il soit à la recherche du coffre renfermant le cœur de David Jones. Mais qui sait pourquoi diable il convoite cette maudite relique? Est-ce qu'elle est noire, cette boîte? Elle est plus noire que bleue. Alors, ouais. Cette réponse est tellement bizarre. Vous croyez que c'est celle-là? Peut-être. Si on gagne la course, l'organisation 13 ne pourra pas mettre la main dessus. Ouais. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les trois? On disait juste qu'il faut qu'on gagne cette course. Exactement, messieurs. Pas de butin sans effort, comme on dit. Peut-être avez-vous la trempe de pirate, après tout. Ouais! Oui. Le premier à Port Royal l'emporte! Oui, pour pimenter le tout, essayons ce canon. Vitesse maximale! Moi je fonce. Feu, Sora! Feu, ouais, ok. Ah, je vise mal. Merde. Je vais n'importe où, là. Il me semble que la première fois que je l'avais fait, j'avais galéré. Je sors rien, personne. Vitesse maximale. Il est où? Ah, merde. Attrapé. Il n'a pas vu venir. Ah. Attrapé. J'ai cru qu'il allait disparaître avant. Je peux avancer? Mais il va m'avoir, l'autre débile là. Ok. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est ça. Accroche-toi. Allez. Il faut les éviter. Et bah, je fais ce que je peux. Défense. On fait comme ça. Merde. Je vais y arriver. Non. J'ai pas réussi à tirer. On le rattrape. Voyez devant nous. Défense. Oh, c'est insupportable. J'ai réussi, hein. Ok, c'est bon. Ah, c'était à deux doigts, je pense. Vigie au rapport. Rien à signaler à tribord. Il a pas peur. Cette victoire est dans la poche. Au contraire, la partie ne fait que commencer. Feu! C'est parti.
Mince. Ça se termine ici. Ah. Prêt? Ouais. Est-ce que j'en ai eu même? Qu'est-ce qui se passe? Canon! Ah, il suffit juste que je tire dessus, je peux. Canon! Et oui. Canon! C'est pas mal là. Ah non, il est parti. Bon, est-ce que je vois mieux comme ça? Je sais pas. Ah, mince, clairement pas. Oh là, c'est bordel. Okay, on va faire ça. Un peu trop, non? Comme ça, un peu trop. Prends ça. Prends ça. Bien joué. Bien joué. Bon, ça sert à ne bouger plus, hein. Bien joué. C'est pas très réaliste, mais bon. On va dire que c'est... que ça l'est, hein. Il est mort, là? Comment je fais pour monter? Arrêt à l'avantage. Comme ça. Hop, 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 hop. Ensuite, on va faire d'abord les petits... les simili et on verra après pour le reste. Lui là. Ah, oh, c'est un dé. Je peux. Ça lui a pas fait grand mal. Faut arrêter de bouger. Oh là là. Vise, Sora, vise. C'est bien. Wow. Excusez-moi, mais c'est beaucoup trop stylé en fait. Surtout quand je vise bien. Allez, un dernier coup. Oh non. Libéré! Délivré! Tu es fini! Pardon. Ça ne servait à rien. Je me demande s'il y a des coffres dans ce bateau. Je regarde juste par curiosité.
Non. Ouais, non, je pense qu'il y a rien. J'attaque rien, comme d'hab. Ah non, je peux pas faire de lien, dommage. Je voulais tester Ariel. Ah non, bah Ouais, mais tu vas servir à rien, on est au sol. Ouais. Ouais. Ah, si, on a quand même fait un truc. Hein. Ça, ça fait mal. Mais vous l'aviez jamais touché? Sérieusement, vous servez à quoi là? On fait un lien? Non, ça sert à rien. Oui. Flash magique. Ok. Magnifique. Je vous félicite, messieurs. Merci, merci. Tu prépares un sale coup. Loin de moi cette idée. Je sais quand je dois m'avouer vaincu. Tu étais vaincu avant même d'avoir commencé. Mais je dois avouer que j'admire ta façon de concéder la défaite. Ah, oui. Il me semble te devoir une récompense. Cependant, j'ai négligé de te demander ce que tu voulais au final. Peut-être pourrais-tu m'éclairer? Oui, c'est simple. Je veux le coffre à bord du Hollandais. Non, Jack, ne lui dis pas. C'est d'une débilité. Vraiment? Vraiment, bon, comme tu le dis. C'est pas bon? Hein? Oh, Jack! Je lui ai pas dit qu'elle est hollandais. Tu l'as piégé! Putain, il est vraiment beau pas son... Vraiment. J'ai juste été son, son sceptre, ouais. Tu son savais qu'il te dirait où il était! J'admets que j'ai toujours été plus intéressé par les jeux de dupes. Maintenant, voyons c'est qui, ça va tomber. Si vous arrivez à suivre, bien sûr. On le suit. Non. C'est inutile. Pourquoi? Le navire a été trop endommagé par ses tirs de canon pour le suivre. Il faut d'abord le faire réparer. Allons à Port-Royal. Quoi? Cherchez des crânes. Ils remettront d'aplomb. Des crabes? Pourquoi des crabes? Passons les détails futiles, tu veux? Des crabes blancs, c'est compris? Ça marche. À vos ordres. J'ai oublié d'essayer de te prendre en photo. Voyons voir. On dirait une sorte de longue-vue française à tous les coups.
T'as autre chose à me dire? Non, c'est pas ça. je peux pas annuler le truc là. Oh! Voyons voir. Non, le pousse pas! Qu'est-ce que ça signifie? Ok, je pense que ça doit être les deux seules phrases qu'il ait. Alors, on va fouiller un peu la zone là en dessous. Si tu veux bien avancer. Ouh! Est-ce qu'il y a des crabes par ici? Sûrement là. Hey, petit crabe! Comment je fais pour les avoir déjà? Faut juste que je passe dessus. Ah, il s'enfuit. C'est bon, il en reste un. Ok, mon but, c'est de tous les avoir. Là, il y en a forcément. Oh non. Non. Là, il y en a forcément. Non. Qu'est-ce que t'en as qui? Ok. Pardon, je voulais pas t'attaquer, mais... Ok. Faut que j'en ai 300. Ah, là, il y en a. Bonjour. Putain, faut vraiment que je sois collée à eux, quoi, pour qu'ils viennent vers moi. C'est très... très relou. Ok, sinon... Par là-bas... Oh. Non plus. Pardon. Pauvre Donald. Il est en PLS. Alors attends, on va essayer de remonter un peu. Voilà, pour voir un peu mieux tout ce qui se passe. Oh, je sais vraiment pas me diriger avec cette merde. Là, ici, il y en a peut-être. Yes. Oh, j'ai vu à travers lui, c'était très bizarre. Vous pouvez me laisser tranquille? Pardon. Alors. Oh, mais vraiment, vous êtes relou. Ok. Non, ils sont vraiment trop nombreux, c'est relou. Alors, on continue d'avancer. Par là. Par là. Oh, là, pas par là. Ok, je pense que j'ai fait le tour. On va remonter. Chou. Oh, je suis parti loin. Alors. Ouais, ça, il y a des petits PNJ qui se traînent. Je sais pas. Je ne sais pas. Tu veux qu'on aille voir? Ça marche. Merci. Excusez-moi. J'aimerais... Voilà. Oh, la musique s'est réinitialisée toute seule comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ah. Ma petite arabe! Vous avez autre chose à dire? Non. Pas des crabes? Des oranges. Attendez, peut-être là, mais je pense pas. De toute façon, ils bougent normalement, donc. Je peux les repérer en soi, mais. Je parie qu'on va trouver des ingrédients par ici. Sur le toit. Parlez.
Waouh! Pardon. Ok. Ok. Ah, là, il y en a. On va essayer d'éviter qu'il tombe dans l'eau. Hey, qu'est-ce qui fait bouger ce canon? Oh non, ils vont tomber dans l'eau. Ils sont où? Ils sont où? Je sais même pas si je les ai eus. C'est pas des crabes ça? En fait, j'avais pas tout exploré. Hein. C'est pas ça que je veux. Laissez-moi. Et là, il y en avait encore un, non? Je pense que le ça, j'ai vu déjà. Ok. Attends. Les crabes sont bons! Ah oui, purée, c'est vrai qu'il y en a aussi sur les arbres. Non? C'est pas bon. Personne ne veut me parler. Je viens de voir tout un tas de crabes se diriger vers le fort. D'accord. Je viens de voir tout. Je voulais voir si tu disais autre chose, mais ça me paraît logique que non. Où est-ce que je suis? Honnêtement, je ne sais même pas où je suis. Wesh. C'est peut-être le bon endroit pour trouver des ingrédients. Ouais. Je suis perdu. Des fois, je casse 10 coffres ou quoi, et genre sur les 10, il y en a un où il y a des crabes. Bon. Ah ouais? Ouais, j'ai vu. Wouh! Dis donc! Ah! Il s'enfuit! Ok, c'est bon. Est-ce que là-haut? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? D'accord. C'en est là. Oh non. Ah si. Ouh, je suis perdu. T'as entendu? Les bateaux fantômes. Oui. Je risque pas d'aller dans les mers du sud aussitôt. Il en a des tonnes. J'espère qu'ils ne vont pas s'en prendre à la cargaison. Pardon. Joli. Oh,
Merci, merci. Donne-moi votre argent. Je suis allé là déjà. Là, je suis pas allé. Genre. Eh, je vous ai vu, hein. Ok. Là. Non, pas là. Là-haut. Là. Là aussi. S'en va. Ok. Merci. Ouais. Là, il y a des coffres. Non, là, il n'y en a pas. Est-ce que par là, je suis allé du coup? Ah bah non. J'ai bien fait de vérifier. Si. Ensuite. Ah non. Oui ben, c'est super. Là, là-dedans. Putain, il y en a vraiment partout. Ah, je croyais que j'allais pas les avoir. Ensuite. Non. Par là. Par là, je suis déjà allé. Ah, attends. Dommage. Ça aurait pu. Pourquoi la musique s'excitait ? Non, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment. Alors, vraiment, vraiment pas envie. Par ici. Oh, il y a un coffre. Là, il n'y a rien. Alors. Waouh ! Et la foule est en délire ! Ouais. Je peux pas grimper à cause de l'échelle. C'est débile. Ah, je suis déjà allé là. J'en vois là-bas. Mais attendez, je vais garder déjà là. Ouais. Pas faire ça. Bon, on fait le truc, faut pas les rater, hein. C'est parti. Bon, bah, ça commence super bien. C'était génial. J'ai la flemme de recommencer. Ok. Bon, dès que j'ai fini ça, je pense que j'arrêterai. Là, ça fait une heure et demie. Pour moi, du moins. Ou ça sera peut-être légèrement moins. Ils font dodo les pauvres. Non, par ici. J'en ai trouvé. On retente. Ah non, c'est dans l'autre sens. Non, 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 c'est bon. Pardon.
Personne. Il paraît qu'il y a un emblème fétiche par ici. Ah ouais? Où ça? Voyons voir. Il est où? Personne me parle dans ce jeu là. Ils l'ont toujours été si je ne m'abuse. Ouais ben on sait même pas de quoi tu parles. Ok c'est bon. On va pas continuer plus parce que il faudrait que j'en récupère de toute façon après. Pardon. Donc là si j'en récupère plus ça va me servir à rien. Je suis pas sûre que ça va s'accumuler. Enfin il me semble. Mais j'arrive plus à faire. Bon, c'est pas grave. Pas très doué. Hein. Oh, il y en a là aussi. J'ai même pas fait gaffe. Je les attraperai plus tard aussi. C'est bon. Et voilà. Bien, ils sont tous là. Passons à ma dernière mission. Je reviens de suite. Oh. Le voilà fin prêt à affronter toutes les mers. À présent, Sora, j'ai une dernière question. Pour quelle raison voulais-tu ce navire exactement? Réfléchis. Pour explorer les mers. Libre comme le vent. Bonne réponse. Tu es bien un pirate, Capitaine Sora. Mais Jack, pourquoi est-ce que tu dis dernière? Comme si tu allais partir. Ah, c'est parce que ce mois-ci a fait 100 ans, tout simplement. Trop bizarre qu'ils perdent des crabes comme ça. Ce toi-ci? Oui, je suis le mois de substitution que la déesse des mers a envoyé pour vous aider dans votre aventure. Bien sûr, un mois reste moi. Je peux me démultiplier, mais je reste incomparable. La mer nous sourit, Sora. Alors restons-en là, d'accord? Pour l'heure, le vrai moi vit un moment crucial à présent. Dans la baie des naufragés, où la confrérie des pirates va affronter Beckett et ses hommes afin de regagner notre liberté. Laisse-nous les aider! Non, c'est aux pirates de s'en charger. Pas à toi, Sora. Te voilà libre comme l'air, et tu iras loin. Oh! Ah, tous ces crabes gâchés. Alors comme ça, Jack nous montrait le chemin. Même s'il s'est fait piéger. Jack, il a dit que c'était aux pirates de mener ce combat. Mais un combat de pirates. C'est un combat pour nous. Allez, il faut trouver le vrai Jack. Ça
Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On va voir Davy Jones. Vous vous êtes engagé envers moi, Jack, à me livrer les pirates. Et c'est chose faite. Ne soyez pas timide. Avancez pour votre rétribution. Sparrow ! Ta dette envers moi n'a toujours pas été satisfaite, Jack. Tu me dois encore un siècle d'esclavage à bord du Hollandais volant. Pour commencer... C'est vraiment dommage du coup que son micro non, soit... Tu t'es évadé. Et autant je de réverb. Je propose un échange. Will vient avec nous. Et nous vous laissons Jack. D'accord. Pas d'accord. D'accord. Jack est un seigneur des pirates lui aussi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis roi. À votre service, sérénissime. Misérable. Du calme, l'ami. Mieux vaut éviter d'endommager la monnaie d'échange. Bien. Ça me donne envie de revoir le premier. Prévenez votre confrérie. Ou vous vous battez et chacun de vous mourra. Ou vous ne vous battez pas et il y aura éventuellement quelques survivants. Nous allons nous battre. Et c'est vous qui mourrez. Ok. Ouais, du coup, il faudrait que je continue à avoir le plein de crabes. Oui. Pour comme ça, certains sont retournés à la mer. Ils pourraient débarquer sur d'autres rivages, non? Pour augmenter maximum mon bateau pour pas trop galérer vers la fin. Dans tous les cas, je me demande ceux qui sont tombés à l'eau tout à l'heure. Ils sont pas là, hein, d'accord. Je peux passer en dessous du bateau comme ça? Ouais. Y a rien ici. Bon, bref. Je vais enregistrer, pardon. Excusez-moi. Et on va s'arrêter là parce que c'est un épisode suffisamment long. Et voilà. Voilà, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.